Trois tours, c'est trop. Quatre, cinq, six. Ouais, six tours, c'est bien. Hein, ouais. Ah. Tu brûles mon esprit. Alors, on va se mettre là, essayer de remonter. Où est-ce qu'on... Bah, bravo. Tu me manques. Allez, on va essayer, hein. C'est parti, c'est y part. On va faire deux trois grands prix avant de... Salutations à tous les fans français de moto. Nous voici au Mans, l'un des circuits les plus emblématiques du monde. Au Dans Mans. quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie MotoGP. Qu'est-ce qui te fait rire, Brésil? Les caméras nous accompagnent sur la grille de départ où ingénieurs et mécaniciens. Encore quelques minutes avant que Basket. Un peu couper, toi, des couleurs. Oh! Bon, j'ai rattrapé la moto. Bon, j'ai rattrapé la moto et j'ai été couché. Ça va, les contacts? Non, parce qu'il y avait deux roues. Ah, les boss sont encore plus dangereux que en F1. Donc, je suis comme...
espagnol. Allez, ça passe. Non, ça passe pas. Ça va passer. Parce que c'est la première année que j'ai vu que je fais, donc je vous fais, c'est pas tant bien. Là, je vois, là, où j'attends. Pablo Quartararo, yes. Avec la Yamaha. Oui, oui. Oh, triple dépassement. Oh la vache. Je suis pas passé loin. Hein. C'est loin pour Pedro à Costa le week-end dernier. Ouais, c'est ça. La Gaïa a encore parlé. Vous avez mis la moto GP? Ouais. Regarde la moto. C'est pas mal, hein. Ouais, bah 2000 heures, attention. Hein. 2000 heures, ça fait toucher entre les deux pilotes. Ah, Yaya. Tomber, ça va. Attention. Attention. Ben, Yaya. Avant, je peux dire. Si je suis en train de jouer, c'est que j'ai réussi à l'avoir. Ah non, on a sorti aujourd'hui, donc je devrais l'avoir. Je sais pas, moi j'en ai. Simplifié, mais faut peut-être un petit peu augmenter les yeux là, parce que c'est la première chose que tenter de vous enfuir. Oui, parce que j'assume, j'ai mis simplifié, hein. C'est la première année, tu ne pourras pas m'en vouloir. Oh, moi j'ai failli la perdre à la dent. On va, moi quand je l'ai reçu en fait, j'ai reçu un SMS. J'allais dire un truc, mais je crois pas, il n'y a pas de... Je vais le dire, mais il n'y a pas de Micromania à 60.
avec une moto sans permis. Chute de l'année. Regarde, la première, quand on sera piqué, tu te casses la gueule. Il y a un nouveau truc sur mon TGP24, c'est les trucs de Fura. Non, à peine tu touches la moto, à peine tu touches... C'est la guerre entre ton père et Red Bull apparemment. Par contre, je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout cette histoire. We'll be right back.
Allez. Non, non, c'est pas Pedro Zin, non. Vous pouvez citer de qui, Marc Marquez. Ouais. Ouais, l'équilibre de la moto, par contre, c'est... Ouais. C'est bon. Quelques minutes, les trois premiers pilotes vont assister à la cérémonie du podium bien méritée. En attendant, revenons sur le classement final de la course MotoGP. 1.36.7. 1.36. Si vous avez qu'on rendit de puni. Nous sommes de retour au parc fermé avec le vainqueur qui nous a offert aujourd'hui une course parfaite. En plus de la victoire, ce jeune homme a marqué des points décisifs. Ah, j'ai vu une aussi dans celle-là. Il est hésité. Si, en 87, en 97. Nous sommes de retour en direct sur le circuit pour la cérémonie du podium. Ces trois pilotes ont fait une course extraordinaire et méritent vraiment les hommages de la foule dans les tribunes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir? T'as même dans le jeu, Nathan, j'ai Red Bull. Di Lorenzo, il est pas italien. Attends, mais comment on fait pour lancer une carrière là-dedans? Comment qu'on fait pour lancer une carrière là-dedans? Quoi, c'est là-dedans? On commence pas par la Thaïlande d'habitude.
Champion du monde, mon frère. Bonjour de Buriram. Unique. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. C'est un peu loin là. C'est la fin de la première séance. On va dire que voilà. Mais il faut que je regarde dans les paramètres si on peut pas mettre simplifié le bordel. Bien le bonjour du circuit thaïlandais. Chang, nous sommes... Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Moi j'étais l'inverse. Ah là, c'est le type qui a l'air d'un petit.
45-6. J'ai pas l'impression qu'il s'emballait sec de ce que tu lui dis. Hein. Valentino Rossi, c'est le numéro 46. Le 1 il est réservé pour les champions du monde. Une 44-8. Pas mal. Comment tu fais pour rentrer au garage? Comment tu fais pour... retour au stand. De retour avec des images en direct de la pit lane où le pilote rejoint son stand. Mais vous avez fini, oui. Mais maintenant, il est de 44-871. Pulvérisé. Oui. C'est tellement une merde qu'il va se planter au premier virage. Ça tacle d'entrée quoi. On va rigoler ce soir, je te le dis moi. Sur le compte d'Alex. De ce que tu racontes. C'est pas intéressant ce que tu racontes. Excuse-moi, mais taper deux poteaux dans une action. Et c'est pour ça que vous l'avez acheté.
La première manche d'essai est terminée. Nous allons pouvoir analyser le premier classement de ce week-end. Je roule pour Honda. Valentino... Mais attends, mais on est en moto 2 là, non? Attends, mais ils sont où, Fabio Quartararo et tout le bordel là? Ah, je crois qu'on commence en moto 3. Ah, d'accord. Bienvenue à nouveau à tous les fans de MotoGP. Nous sommes en direct de la deuxième séance de qualification de la... Et tu vas pouvoir lui bouffer le cul. Le pilote avance d'un pas assuré. C'est tel qu'on donne les yeux, t'as beau être un peu de nerfs, c'est avec qui va être. J'ai 90, frère, donc c'est avec qui il va la gueule. Et encore, j'ai ma chance de tout, je peux pas dire quoi. Tu dis, pourquoi t'as acheté top 10? Ça va? Eh, t'as plus besoin de faire les 3 mètres de gueule. Non, ça c'est du genre marché. Tu vas lui proposer un match, il va faire non, j'ai pas le temps. Je vais aller chercher MotoGP. De toute façon, on ne peut pas faire un match de tennis en ligne. Et le mode en ligne, il n'est pas encore actif. Quand il sera, je ferai son MotoGP, moi. Frère, j'ai déjà pris des... J'ai déjà pris des services sur le thé. J'ai déjà pris des services sur le thé. Je te rappelle que j'ai le jeu depuis une heure et que je ne suis pas encore cassé la gueule à moto. Hein. Pas une fois. Waouh. Tant que tu mets pas tes PC à peur, moi ça me va. Par contre, utiliser mon prénom, c'est de l'agent. Alors même. Et... Oui, mais il y a Castel Cédric qui est créateur du contenu. Bonne référence. C'est pas déjà, c'est pas une référence de notre théorie. Oh. Mec, il fait pas 6 mois, hein. Le mec il fait pas tout le monde qu'il a pas mis l'argent dans le jeu. Jean-Marc, hein. Lui, il envoie des messages pour donner des victoires. C'est pour ça qu'il est en dessin. Bah, en fait, Jean-Marc, il a le niveau de la dessin. C'est juste qu'il veut pas se donner le moyen. Frère, si mon pote était pas ban, j'aurais invité en match, j'aurais défoqué le fusil 0. On se prend bien mes virages là. Oh magnifique. Oh, l'arrière qui lâche. Donc en gros tu vas nous faire de la F1 et du MotoGP toute l'année. Oui, c'est ça.
Oui, c'est quoi ta question, Norma? Oui. Mais tu peux te casser. Mais tu peux te casser la gueule sur ton monde. Une 45 689. Si t'arrives avec un trop plein d'essence sur ta moto GP, bah. Pourquoi vous faites ça? Moi je commence en moto GP, en moto 3 je crois. Moto 3, si t'es champion au moto 2 et si t'es champion au moto GP. Ça marque qu'il va rester 3 ans en moto GP et moto 3. Eh, tu me poses une colle là. A, B, C. Jean-Marc, Jean-Marc, ta maman qui a te demandé un encyclopédie quand tu étais petit, quoi. Ah, oh, juste, hein, je demande. C'est le sein, là. Non, mais toi, c'est pas la chose, c'est normal, c'est que tu des trucs qui sont plus intelligents, normal. Alors, tu l'as eu, ton jeu, pour finir? Et je t'attends pour aller chercher. Et tu fous moi ou quoi, la sortie, c'est aujourd'hui? Eh bien sûr que si, si moi je l'ai, c'est que... C'est bien le demi à ce que ça. Une 44-5. Oh, bon alors là c'est bon, je peux arrêter. Retour au stand, et hop. Nous nous rendons à l'entrée des stands, où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. T'as vu mon casque, il est beau, hein. Il est vert cacadouo. Oui, Jean-Marc. J'assume, je roule en simplifié. J'assume. Et ouais, mais tu mets au début, si tu te mets pas en simplifié, tu vas te casser, tu vas tomber souvent. Je le dis. Regardons le classement final de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. C'est la fin de notre retransmission. Ouais, j'avais raison. Nous avons hâte de vous retrouver demain. Moto 3, Moto 2, Moto GP. Donc là, vous avez sous les yeux tous les pilotes qu'il y a en Moto 3. C'est quand la prochaine course d'IndyCar? Oh. Et déjà la formule E, c'est déjà pas mal. Oui, dans le jeu. C'est... Bah écoute, je sais pas quand est-ce que c'est la prochaine course de... IndyCar. C'est au mois de mai, mais alors... Est-ce qu'il faut suivre Théo pour cher, hein. Romain Grosjean. Ouais, attends, je vais demander à l'encyclopédie. L'encyclopédie, tu peux me dire l'écurie de Romain Grosjean, s'il te plaît? Merci. C'est incroyable. Tiens. Merci. Et Théo Pourchaire, il a signé où, du coup? Oh putain. Bonjour, ici Laurent Rigal sur le circuit international Chang. Nous sommes à quelques kilomètres de Buriram pour le Grand Prix de Thaïlande. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie Moto 3.
Je suis assez content quand même parce que j'arrive à proposer, j'arrive à me diversifier en termes de vidéos et là vous allez avoir du top spin, vous allez avoir de la MotoGP et de la F1 d'ici 15 jours. Et nous voici sur la grille de départ où tout le monde se prépare au départ de la... Normal. Tous les pilotes sont alignés sur la grille de départ. Le compte à rebours est lancé avant l'extinction des feux. Et boum ! Encore quelques instants. Et le Grand Prix de Thaïlande va commencer. Première ligne pour une première course. Ouais, c'est ça. Ce sera la première victoire de ces trois. Voilà, c'est court en vrai hein, quand tu regardes pour faire des lives. Oh la vache. Ah, je l'ai vu hein. Au début, il est arrivé sur ma... à la paix ou l'esprit. Tu sais que ça fait vraiment bizarre en fait. Oh oh, allez, oui. Oh! Ça, les gens, ils ont commencé à dire. Ah ouais, mais tu vois, t'as déjà une victoire alors que t'as des plaisirs d'avoir le jeu. Bah ouais. J'augmenterai un petit peu les biens, mais je resterai en train de finir. Et pas la peine de tomber parce que j'ai dit que j'assumais. Je préfère préciser pendant que je fais. J'ai fait comme ça maintenant. Je lui pose n'importe quelle question, c'est la réponse. En bas. Quelle est la première équipe à avoir remporté la première Ligue des Champions? Ah. Non, la première, la toute première. La première édition. Moi je vais y aller. Attends, Marseille a 8 titres de champion de France. Ah, 6. Paris en a 12. Allez, c'est reparti! On verra quand l'OM sera racheté par l'Arabie Saoudite. Oh oui! Et là, t'auras l'opportunité de faire venir les gros joueurs. Paris est battable hein. Cette année ils ont perdu un match cette année hein. Ouais c'est quoi. Excuse-moi, mais Paris, c'est pas sorti. Si Paris, si Brest avait pas paumé face à
fermé. Il a pas compris. Si Lyon avait pas gagné ce week-end, Paris serait pas champion. Là, moi ça me fait rire, moi ça me fait rire. Moi ça me fait rire parce que là vous parlez de Paris-Qatar, mais quand Marseille sera acheté par l'Arabie Saoudite, il devrait plus tarder. Ouais, quand il y aura des grands joueurs, des grands noms qui viendront signer à l'OM, il n'y aura pas la même chose. Je rappelle juste que Paris a deux clubs parisiens. Le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Je rappelle que le Paris FC est en passe de monter en Ligue 1. Oh, non, j'ai même pas encore conclu. On va chercher MotoGP là. Pas tous les ans. Hein. Lille sous l'air Galtier, ça s'est joué jusqu'à. Non, pas tous les ans. Non, pas tous les ans, non. Lille sous l'air Galtier, ils ont pas été champions. Hein. Ah non, mais. Avant la finale, Paris n'a pas gagné depuis 2 ans. Je te rappelle que Paris n'a pas gagné la Coupe de France depuis 2 ans. Alors ça, j'en sais rien. Et ben on verra quand l'OM sera racheté par l'Arabie Saoudite alors. Tu parles de Bordeaux, ils sont même pas capables d'acheter du PQ pour leur stade. Ah non mais c'est vrai. Les supporters ils viennent au stade, ils ont même pas de PQ frère. C'est moi qui viens me prendre ta gueule là. Non, mais nous c'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans cette situation. Mais nous la différence à Valenciennes c'est qu'on a toujours pu. Ouais voilà c'est ça, nous on a toujours du PQ.
va mon cœur? Juste un truc, je te rappelle juste un truc, c'est que le Bayern Leverkusen est toujours invaincu. Hein. Ouais. Ah, pas cette année. Cette année, c'est le Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen qui reste invaincu d'ailleurs. Coucou mon cœur, ça va? Oui, ça va. En attendant que la réalisation nous mène jusqu'au parc fermé à la rencontre des stars du jour, revenons sur le classement final de la course Moto 3. Nice. T'es rentré à quelle heure hier, ma chérie? Tu me manques, maman. Comment ça se fait? Ah oui, quand même. Vous avez fait quoi jusqu'à 3h30 du mat? Comment ça se fait, ça? On a parlé beaucoup. T'as parlé de moi? Les caméras nous mènent au parc fermé avec le vainqueur de la course qui célèbre sa victoire avec ses mécaniciens. S'il continue comme ça, oui, ce sera compliqué. T'as pas parlé de moi, mais t'as pensé à moi, quoi. Du mal à m'entendre avec le son du jeu, alors attends. Donc j'aille dans les paramètres. Genre attends, on va le mettre à 4. Là, ça va mieux. Merci en tout cas.
Je voudrais pas dire, mais il y a des moments où tu le dis aussi, hein. En fin de journée, je vois un changement sur moi. Tu vas chez le coiffeur? Tu pourras m'envoyer la photo que tu m'avais, la toute première photo que tu m'avais envoyée avant. La toute première que tu m'avais envoyée. Moi non plus. Oui. La toute première que tu m'as envoyée. Bienvenue sur le circuit international de... Je crois que c'était avec un maillot blanc ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. L'équipe vient de terminer de préparer la... Ça va mieux là? Si. C'est vrai que Marseille a eu une campagne européenne plus facile, hein. L'Atalanta de Bergame, si vous ne battez pas l'Atalanta de Bergame, il y a un problème, hein. Ah oui, cette année. Tu m'enverras une photo? Ouais, c'est ça. Il y a eu des... Et puis il faut pas oublier que l'entraîneur, c'est un ancien joueur, hein. Tu vas passer de quelle couleur?
Enfin, en Malaisie, il est galère à l'année d'attendre. Hein. Bah écoute, ici c'est. Tu vas voir qu'ils vont faire un long montage. Après, il y a quand même. Après, je vais te dire, il y a qu'un but à remonter. Hein. Le nom. Oui. Oh non, surtout quand tu vois la deuxième mi-temps. Tu tapes deux poteaux par et que Mbappé puis l'autre là, et puis que tu laisses tout seul, il est tout seul au point de pénalty, tu lui fais pas la passe. Marquinhos, il était foudrage. En plus, ils ont des noms ils ont ces noms en Bundesliga, ça fait peur. Tu viens de te réveiller, ma chérie? J'y arrive toujours pas, hein. J'y arrive toujours pas à ce virage. Hein. Attends. C'est quoi ça? C'est Malaisie, Nathan? Pam 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 pam. Ah ouais, on l'a vu, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, Nathan, j'ai une question. Est-ce que l'aventure Victor Osimhen au PSG, c'est parti ou pas? Imagine Kolo Muani, Osimhen, Ousmane Dembélé. Oui, parce que je suis désolé, mais Colo Colo, hier, il a eu une occasion, il a même pas mise. Hein. Hier. 90 millions d'euros. Voilà, l'Atalanta, c'est quoi? C'est l'Atalanta de Bergame? En plus, c'est chez vous. Ouais. L'Atalanta, ils sont pas faciles à jouer. Hein. Attends, mais ils étaient en. Ils... Déjà? Non, mais vous êtes au courant que si vous remportez l'Europa League l'année prochaine, vous êtes en Ligue des Champions? Ah. 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 Excuse-moi, mais... Et toi, t'es au courant que Aubameyang pourrait quitter Marseille à la fin de la saison?
Aucun. Pas cher. Vous avez des joueurs en fin de contrat à Marseille? À 100 millions près. Bordeaux. Oh, Bordeaux, c'est un gros déficit, hein. Au point de pas savoir acheter du PQ pour ses supporters. À quoi c'est, c'est la vérité ou pas Bien sûr que si. Alors c'est à qui alors? Ah là, c'est sûr, les gérer par qui? Par la direction? Ah, c'est une boîte privée! Et vous arrivez pas à la payer, la boîte privée, ou quoi? Mais le truc, c'est qu'en fait, il dit ça, mais si ce serait l'OM qui serait champion de France, il dirait pas la même chose. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Tiens, d'ailleurs, en parlant de lui, tu sais qu'il était là hier. Mais il serait à Marseille, tu dirais pas la même chose. Ah, attention, préparez-vous, préparez les pop-corns parce que la fin de saison elle arrive. Ça va être le feuilleton Mbappé. Ouais, faut pas être débile, mais attention, la journée complète, hein. La chaîne d'équipe. Mais moi, j'ai une question. Il y a quelques semaines, ils nous ont bombardé de trucs comme quoi Marseille allait être acheté par l'Arabie Saoudite, et d'un coup, j'entends plus rien. Juste pour info, si c'est racheté, c'est Zidane l'entraîneur. Hein.
Eh si, mais bien sûr que si, il a injecté. Ça, après, s'il est... Crois-moi que... Crois-moi que si... Vous n'avez pas encore prolongé Aubameyang, hein, crois-moi que... Si Aubameyang il reçoit une belle offre, t'inquiète pas qu'il va pas passer à côté. Hein. Ben après, c'est Malaisie, hein. La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Oh, super. C'est la fin de la première séance d'essais libres du week-end. Jetons un œil au meilleur chrono. Bonjour de Sepang, la deuxième séance d'essai de Oh MotoGP a non! commencé. Pour rappel, les 14 meilleurs pilotes. Il pleut. Il s'agit Marque un d'une séance d'essai pénalty à de préparation. contre-pied. Pedro Acosta. De toute façon, Bordeaux, ils ont laissé partir des bons joueurs, alors. Ah, si. Lequel? Ah. Et les 29 euros, tu les as reçus? Super. Bon, et toi là pour MotoGP, t'attends quoi? Non mais. Oh la chute! Il a dit quoi? Il a dit quoi pendant quoi? Vous avez tout compris là. Et t'as appelé Cora pour savoir? Ah mais là il est quasiment 14h, peut-être qu'ils les ont mis en rayon. Ah, pas loin. Bah il est 13h, tu vas pas me dire que Cora ils ont pas mis le jeu en ligne. Enfin le jeu en... Ah, carrément. Ah,
Je vais pouvoir payer MotoGP 24. J'y arrive vraiment pas au Grand Prix de Malaisie. Hein. 5 chutes. Ah. Mais tu reçois pas des messages, enfin un message quand le jeu est dispo, Jean-Marc? Ça n'empêche rien, c'est juste, ça n'empêche rien, puisque moi de base, j'achète tous mes jeux à Micromania. J'achète tous mes jeux à Micromania. La moto GP sous la pluie, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est comme ça. Et voilà. Où ça? Qu'est-ce que c'est con? Nous emmène à l'intérieur. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas mal. Voilà. Attends, parce que j'espère que ça va sauvegarder. Hein. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on reprendra donc la semaine prochaine. Voilà. Vous avez découvert MotoGP. Quoi? De quoi? Attends. Ah oh putain, tu voulais voir quoi?
Bah, tu sais, que tu commences par la première ou pas. Oui. Bah, bravo. T'as, toi qui étais si pressé de d'avoir MotoGP, tu vas l'avoir dans le. Vous avez joué. Voilà, messieurs, dames, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle que la MotoGP, ce sera le mercredi pour remplacer, bien sûr, FC24. Vous n'aurez plus d'FC24 à partir de maintenant, puisque MotoGP prendra le relais à partir de la semaine prochaine. Et du coup, vous aurez le tennis le lundi. Le mercredi, vous aurez MotoGP. Mardi, jeudi, vous aurez la F1 quand il arrivera. Et le vendredi, histoire. Voilà. Très très belle journée à vous et à très vite. Ciao, ciao.